récemment croisé Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Ah, bon, ça je la mets parce que Brigitte Bardot c'est vraiment mon idole, tu vois. Mais bon, c'est la Brigitte Bardot de 30 ans que j'aurais aimé croiser, pas celle d'aujourd'hui. Mais ça reste quand même mythique de croiser une icône comme ça de son vivant. J'ai croisé Brigitte Bardot à Saint-Tropez. En fait, je voulais trop aller chez Brigitte Bardot, donc à la Madrague, c'est un endroit où tout le monde peut aller, on peut passer devant la maison de Brigitte Bardot sans problème. En passant devant la maison de Brigitte Bardot, une nana qui était là m'a dit si vous voulez la croiser, c'est entre 18h et 18h30. Elle rentre de la Garrigue pour aller à la Madrague tous les soirs entre 7h-là, tu vois. Et du coup, moi, c'était l'heure à laquelle j'étais là-bas. Et sur le retour, je vois une Citroën. Une grosse Citroën blanche avec plein d'animaux dans la voiture. Et là, au volant, je vois Brigitte Bardot. Donc, elle est plus belle en vrai que sur les photos immondes qu'on peut voir d'elle sur Twitter, même sur Internet et tout. Elle est beaucoup plus mince maintenant que dans les photos qui ressortent souvent. Mais elle a pas le temps, quoi. Elle a vraiment pas le temps. Après, elle était en voiture, ce que je peux comprendre. Peut-être que si j'avais été plus proche, elle aurait pu me faire un petit coucou, un petit truc, je sais pas. Mais enfin, c'était tellement rapide que bon, j'ai pas eu le time, tu vois. Mais moi, je suis fan de Brigitte Bardot. Je trouve que c'est une légende, cette meuf. Alors, je suis pas du tout pour tout ce qu'elle peut raconter ou tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Mais c'est quand même l'une des actrices les plus célèbres de France. Si c'est pas la plus célèbre, je pense. Catherine Deneuve, je sais pas. Et voilà, c'était drôle parce que c'est vraiment une icône et de la croiser comme ça, alors que les gens de Saint-Tropez, c'était basique pour eux de la croiser, moi je l'avais jamais vue. Après, qui c'est que j'ai rencontré?